On aimerait que vous nous parliez un peu de votre personnage. Donald est un grand sensible. C'est un gars limité. Ben, c'est un gars un peu limité intellectuellement. Et puis, l'histoire du film, en fait, c'est qu'on est cinq amis qui perpétreront un vol, un important vol de banque. Et puis, je dirais que je suis celui qui tient le plus à l'unité du groupe. Donc, pour lui, c'est important que les cinq gars soient ensemble dans ce crime-là, alors que je dirais que les autres individus sont plus selfish, sont plus sur leur quant à soi, sont plus individualistes, pour dire le bon terme. Je joue Charles. Charles, c'est un gars qui a grandi dans le Faubourg Amelas, qui, à l'époque, était vraiment un quartier défavorisé. Je pense que ça l'est encore un peu. Mais surtout, à cette époque-là, c'est assez clair que pour s'en sortir, il fallait plus ou moins devenir un bandit ou quelque chose du genre. Et c'est ce que Charles est devenu. Enfin, est-ce qu'il... Ben, lui aussi, il est assez intègre. Je pense, c'est l'impression que j'ai eue. Je pense qu'il était clair avec moi, honnête. Ce qui a fait qu'il a eu ma confiance dès le départ. J'aime son imagination. J'aime sa manière de regarder puis de dire les choses. Puis c'est un peu ça qu'il a fait avec ce film-là. Il a utilisé sa manière à lui de raconter puis de dire les choses. Je vais m'améliorer. De quoi vivre?